La mission de ce conseil est définie dans l'accord politique pour une transition pacifique et ordonnée signé le 3 avril 2024 par les différents secteurs. La mission de ce conseil s'articule autour de trois priorités: sécurité, réforme constitutionnelle et institutionnelle, élections. Et lors du discours d'investiture, il s'est ajouté deux autres, à savoir la réforme de la justice et relèvement économique. Moi, je crois que la priorité des priorités demeure la sécurité, qui induit une réponse aux différents aspects de la crise sécuritaire du pays à partir des modalités de coopération avec le Conseil national de sécurité, qui est une structure nouvellement créée par l'accord du 3 avril. Et cette structure qui aura à définir avec les partenaires internationaux les modalités de coopération. Il s'agit, suivant cet accord, d'une assistance technique aux forces de sécurité nationale et au système judiciaire en vue de résoudre de manière durable les fléaux sociaux de l'insécurité, de la violence armée, des armes, des trafics de personnes, de stupéfiants, d'armes et de munitions et de la contrebande. Mais toujours est-il, pour moi surtout, il faut attendre la désignation du Premier ministre qui devra certainement présenter un plan d'action ou des feuilles de route ministérielles à défaut d'une déclaration de politique générale, puisque le Parlement n'existe pas. Mais si vous me demandez, moi personnellement, comme citoyen, je dirais que les besoins sont clairs en ce qui me concerne. Je crois que c'est le cas pour d'autres citoyens. Depuis 2 mois, tous les vols à destination du pays d'Haïti sont suspendus. De ce fait, la reprise des transports maritimes, aériens et terrestres ne peut plus attendre. C'est une nécessité absolue. Depuis le 1er janvier 2020, l'axe routier reliant les départements du Sud, du Sud-Est, des NIP et de la Grand'Anse sont sous le contrôle des gangs armés qui instituent des postes de péage. Il en est suivi d'autres, tel le cas des routes nationales numéro 1 reliant Port-au-Prince, Saint-Marc, Gonaïves, Cap-Haïtien. C'est aussi le cas pour la route nationale numéro 8 reliant Croix-des-Bouquets, Gantier, le département du centre. Donc, c'est un impérium pour le nouveau conseil, pour le conseil présidentiel de la transition, de libérer les axes routiers du contrôle des gangs armés. Et troisième élément pour moi, comme besoin qui est très clairement exprimé, c'est que depuis l'escalade de la violence, l'arrondissement de Port-au-Prince est assiégé. Au centre-ville, c'est comme l'apocalypse. Toutes les périphéries sont contrôlées par des groupes armés. Donc, les citoyens, les citoyennes doivent retrouver leur droit de libre circulation. La paix doit revenir dans la cité.